Welcome. Thank you very much, Tina, and thank you, everyone. Thank you for the opportunity for us to present. So this presentation will be in French for the French-speaking speakers here today. So, bonjour à tous, bonjour et bonsoir. Donc aujourd'hui, en fait, on voulait vous parler d'une expérience qui n'est pas liée au Covid, mais plutôt liée à Ebola. Donc on va prendre en fait le cas de la Guinée et ce qui se passe en termes de veille des réseaux sociaux. Donc en fait, voilà, c'est un peu la structure de notre présentation aujourd'hui. Donc je vais d'abord vous parler en fait d'une alliance qui s'appelle AIRA et surtout ce qu'on fait dans la région africaine pour soutenir en fait le développement de la gestion des infodémies. Ensuite, je vais passer le micro à mon collègue Ibrahima Kaba, qui est vraiment sur les premières lignes de la réponse Ebola et surtout pour la gestion de l'infodémie. Donc peut-être quelques mots sur AIRA, si vous n'avez pas entendu parler de cette alliance. En fait, AIRA est le travail que nous faisons en gestion de l'infodémie en Afrique. Donc AIRA, ça veut dire African Infodemic Response Alliance. Et ça a été créé en fait en décembre 2020. Donc on a à peu près 5 mois d'existence. C'est une alliance dont le but est de limiter la propagation de la mésinformation et de la désinformation en santé publique, et aussi de promouvoir la circulation d'informations vérifiées et de confiance sur les réseaux sociaux, les médias et aussi dans les communautés. Donc parce qu'on sait que la lutte contre l'infodémie ne peut pas se faire seule, nous avons constitué un réseau de 14 membres qui ont chacun une expertise à apporter en infodémie, qu'il s'agisse en fait de la veille des réseaux sociaux, de la coordination, de la recherche, de la mobilisation au niveau communautaire, ou en fait n'importe quelle expertise qui contribue aux 5 piliers stratégiques d'AIRA. Donc vous avez des exemples en fait de nos partenaires clés et des membres. Donc vous avez bien sûr UNICEF, Gavi, vous avez aussi le réseau de la Croix-Rouge et de la Fédération, UNESCO, et aussi on travaille beaucoup avec les organisations de fact-checking en Afrique. Et quand je parlais en fait des piliers stratégiques d'AIRA, donc vous voyez ici, hein, c'est la coordination, la recherche, le plaidoyer, Viral Facts. Viral Facts, en fait, est un service de production de contenu virtuel pour contrecarrer les rumeurs. Et enfin, le service de soutien technique au pays. Donc, en fait, c'est dans le cadre de cette activité de soutien technique au pays qu'on voulait vous présenter le cas de la réponse Ebola et de la veille des réseaux sociaux pour la réponse Ebola en Guinée. Aussi, à savoir peut-être que, effectivement, la Guinée, on soutient de manière un peu plus rapprochée, on a effectivement 8 pays prioritaires, donc ils sont en rouge sur la carte, mais on fournit effectivement du soutien technique à toute la région afro de l'OMS, donc à peu près 40 pays. Donc sur ce, je vais passer le micro à mon collègue Ibrahima. Ibrahima, à toi. Bonjour Elodie, merci beaucoup, bonjour à tous. En parlant maintenant de la maladie, et puis la résurgence de la maladie, Next slide, please. Ressurgie en février dernier, suite au décès d'une infirmière, l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée à zéro Covid par les autorités guinéennes le 14 février 2021. Depuis cette date, 23 cas ont été notifiés, 16 confirmés, 7 probables, 12 décès, dont 5 confirmés, 7 probables, et 10 sont sortis guéris du centre de traitement épidémiologique. À ce jour, 8 678 personnes sont vaccinées, dont 2537 travailleurs de première ligne. Le dernier cas confirmé a été enregistré le 2 avril dernier. Next slide. Parlant de l'écoute sociale en Guinée, selon le site web Data Reportal, la pénétration de l'Internet en Guinée est de 21,8% en janvier 2021. Et 15% de la population utilise les médias sociaux. Du 1er janvier, next slide, du 1er janvier au 29 avril 2021, seulement 3% de la conversation sur Twitter a été menée par les professionnels de santé. 81% des utilisateurs de Twitter qui ont alimenté la conversation étaient des hommes. 65% d'entre eux ont une vingtaine d'années. Donc, c'est un peu la couche juvénile. Et ces utilisateurs sont influencés par la RFI, Lamine Guirassy, qui est un influenceur du pays, qui possède une chaîne de télé et de radio à travers le pays, et Jeune Afrique. Donc, toujours parlant de l'écoute sociale, une analyse hebdomadaire est faite
de l'écoute sociale d'Ebola est produit, partagé pour trianguler les informations et éclairer les décisions. Next slide. Donc, voilà un peu le système de gestion des feedbacks que nous avons mis en place au niveau préfectoral avec nos partenaires l'OMS, l'UNICEF et la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ils ont des mobilisateurs sur le terrain qui collectent les informations et ces mobilisateurs remontent au niveau des lead journals, comme vous voyez sur le schéma. Les lead journals là font une sorte de synthèse qui vont présenter au niveau de la plateforme One Health qu'on a mis en place dans chaque sous-préfecture. Ça, c'est au niveau sous-préfectoral. La plateforme One Health, il y a la santé qui est représentée, l'environnement et tous les aspects de la vie de la sous-préfecture qui sont représentés là. Donc, une sorte de synthèse va être faite là-bas et prévalidée par les autorités locales. Maintenant, ils vont remonter au niveau maintenant du CREC. Le CREC, c'est la commission communication de risque et engagement communautaire. Il y a un groupe de travail qu'on a créé, on a mis en place là-bas qui s'appelle groupe de travail feedback. Et à ce niveau, il y a un premier travail technique qui va être fait pour essayer de classifier les feedbacks, les rumeurs qui ont été remontées et tous les feedbacks communautaires qui ont été remontés. Et on implique à ce niveau les socio-anthropologues parce qu'eux, ils sont près de la communauté, ils sont tout le temps sur le terrain, ils savent ce que la communauté pense et tout ce qui se dit comme raconte comme rumeur au niveau de la communauté. Donc les vieilles réseaux sociaux aussi, à travers nos outils que nous avons mis en place, on essaie de recueillir aussi les informations à ce niveau. Au niveau des médias locaux, il y a des émissions interactives qui sont organisées, des tables rondes, et ainsi de suite. On a établi des fiches dans lesquelles ils recueillent toutes les informations qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire des rumeurs qui peuvent affecter la riposte. Eux, ils recueillent, ils envoient au niveau maintenant de la gestion des feedbacks. Quand on fait un travail technique, on monte maintenant au niveau préfectoral. Au niveau préfectoral, c'est là où se trouve la coordination de la riposte. Tous les partenaires y sont présents. Maintenant, en fonction maintenant de la catégorisation des rumeurs, les réponses vont être préparées pour revenir maintenant au niveau de la communauté. Si, par exemple, parfois la communauté peut avoir besoin de certaines choses, parfois We seem to have lost Ibrahima. Oui, à leur tour, on relaie les informations au niveau des... Okay. De... Allô? Allô? Ça va bien. Continuez, s'il vous plaît. Ah, ça marche. Donc, eux, ils relaient maintenant au niveau de la communauté et les religieux, surtout, sont beaucoup plus impliqués en matière du retour d'informations du terrain. Donc, on se sert des leaders communautaires comme leaders pour pouvoir passer les messages à la communauté pour apaiser un peu les rumeurs, pour faciliter le travail des vaccinateurs et de nos équipes sur le terrain. Donc, eux, à travers même, il y a une qui avait témoigné, il y a eu témoigné slide suivant, qui avait témoigné pour dire que c'est à travers les prêches que l'imam, cet imam que vous voyez sur le stade, faisait, qui lui a poussé à aller se faire vacciner. Sinon, elle était contact d'un contact, mais elle refusait de se faire vacciner parce qu'on les a fait croire que le vaccin, c'est pour inculquer la maladie. Donc, à travers le feedback que l'imam a fait dans la mosquée, donc elle a été vaccinée. Slide suivant. Maintenant, au niveau des challenges, des défis, il y a une surcharge de travail des agents chargés de collecter les rumeurs sur le terrain. Ça, c'est un défi qu'on doit relever parce qu'ils sont partagés dans beaucoup de tâches. Il y a un manque de coordination des systèmes d'écoute sociale au niveau préfectoral. Si ça réussit, on va l'élargir. Il y a aussi moins de temps consacré à la gestion des feedbacks communautaires. Donc, la plupart des représentants qui font ça, ils font beaucoup d'autres boulots à la fin. Donc, les bonnes pratiques qu'on a tirées, il y a eu l'implication des socio-anthropologues dans la collecte des informations. Il y a eu la mobilisation et l'adhésion des autorités locales au système de gestion de retour d'informations. Il y a eu un partenariat avec toutes les agences UNICEF, Croix-Rouge, pour le partage des outils de collecte. Donc, next step, nous avons assuré maintenant une meilleure coordination entre les différents acteurs sur le terrain et travailler sur le système de gestion des feedbacks pour améliorer la coordination et impliquer davantage les autorités. Je vous remercie.